au-delà de mes peines, au-delà de mes souffrances. Jésus, c'est toi que je vois, au-delà de mes peines, au-delà de mes souffrances. Jésus, c'est toi que je vois. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu, éternel Roi, mon âme te bénit, mon âme te loue. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car tu as fait tant de choses dans ma vie, Seigneur. Malgré ce que je vis, malgré les situations dans lesquelles je suis, malgré la maladie, malgré les blessures, malgré les différents maux de ma vie, Seigneur, tu es là présent et tu ne faillis jamais. Seigneur, ta parole est oui et amen. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, je viens en unisson de cœur et d'esprit avec les anges, avec tous les saints et les saintes du ciel, avec mes frères, avec mes sœurs, avec nos familles, avec nos foyers, nous venons à toi. Nous venons à toi, toi l'Emmanuel de nos vies, avec tous nos maux, avec nos peines, avec nos souffrances, nous venons à toi. Pour que toi, l'Emmanuel, tu viennes soulager. Pour que toi, l'Emmanuel qui habite parmi nous, tu viennes guérir. Pour que toi, l'Emmanuel, tu prennes tout avec toi. Voilà pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voulons tout simplement nous abandonner à toi. Nous abandonner tel que nous sommes, Seigneur, avec toutes nos inquiétudes, avec tous nos fardeaux, Seigneur, que tu connais bien, tout abandonné à tes pieds, Seigneur. Que tu prennes tout, que tu nous soulages et que tu guérisses, Seigneur. Prends tout, Emmanuel. Au-delà de mes blessures, au-delà de mes maladies, Jésus, c'est toi que je vois. Oh, au-delà de mes fardeaux, au-delà de mes inquiétudes, toi que je vois. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Jésus rejoint au plus profond de leur souffrance tous ceux que la vie maltraite. Vrai compagnon de route, le Christ propose aux personnes en proie, aux tresses ou à l'angoisse, de s'en remettre à lui. Il est pour nous une aide sûre, un pilier. Il nous apprend comment porter nos croix, qu'elles soient de grandes épreuves ou des blessures de la vie de tous les jours. Bien-aimé de Dieu,
Voilà ce que notre Seigneur nous dit en ce matin. Venez à moi. Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Que ce soit le fardeau de la maladie, que ce soit le fardeau du rejet, que ce soit le fardeau du chômage, que ce soit des blessures d'enfance, que ce soit un manque d'amour. Ce matin, l'Emmanuel de nos vies nous demande de venir à lui, afin que lui nous apprenne comment porter ses croix tous les jours de nos vies. Que lui nous apprenne à aller bien au-delà de toutes ces souffrances, à aller bien au-delà de toutes ces blessures, car lui seul nous suffit, car il prend tout avec lui et il nous apporte le soulagement, le réconfort et la consolation dont nous avons besoin. Au-delà des peines, au-delà des souffrances, Jésus, c'est toi que je vois. Au-delà des blessures, au-delà des maladies, Emmanuel, c'est toi que je vois. Au-delà de mes fardeaux, au-delà de toute inquiétude, Emmanuel, c'est toi que je vois. Au-delà de mes angoisses, au-delà des eaux troubles de ma vie, Emmanuel, c'est toi que je vois. C'est toi que mon âme désire. C'est toi que mon âme recherche. Voilà pourquoi en ce matin, je te dis, Emmanuel, prends tout. Prends tout. Prends tout, soulage-moi, guéris. Et viens me donner ton joug léger. Viens me donner ton joug léger. C'est la prière d'un frère, c'est la prière d'une sœur qui monte en ce matin. Au-delà de mon chômage, c'est toi que je vois. Au-delà de mon célibat, c'est toi que je vois. Au-delà de la peur, c'est toi que je vois. Au-delà des doutes qui peuvent parfois m'assaillir, c'est toi que je vois. Au-delà du rejet et du mépris de l'homme, c'est toi que je vois. Au-delà même du mal que l'on pourra, qu'on pourrait me faire, Seigneur, c'est toi que je vois. Là où mon père, là où ma mère m'a abandonné, c'est toi que je vois. Là où l'homme a voulu me condamner, c'est toi que je vois. Alors prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Et soulage-moi. Alors, bien-aimé de Dieu, telle est ma prière en ce matin pour toi, mais également que cette prière soit tienne. Fais monter cela en ce matin, car je ne sais pas dans quoi tu es, ce que tu vis au quotidien, mais fais de cela ta prière en ce matin et demande à ce que l'Emmanuel vienne prendre tout avec lui, qu'il vienne te soulager, qu'il vienne te guérir, qu'il vienne t'apporter la consolation par sa mère, qu'il vienne t'apporter le réconfort dont tu as besoin en ce matin. Prends tout.